Oui, je chante en monocorde, comme ça je me fais pas flaguer par le robot con de YouTube. Et du coup, je peux chanter à peu près tout ce que je veux, hyper, même des trucs hyper connus, hein, c'est facile. Comment ça, aujourd'hui je suis énervé encore? Non, pas du tout, c'est 19h, c'est l'heure du stream, tranquille, pénible. Et donc, on va bosser ensemble pour découvrir un nouveau jeu merveilleux qui va nous rendre fous, hystériques, voire en pleine furie. Oui, aujourd'hui c'est Space encore, Space quelque chose, et donc Space, Fury. Un jeu millésimé 1981, qui, je le rappelle, est une très bonne année pour les Bordeaux. Pour les shmups, ça reste encore à discuter apparemment. Fais voir ta gueule, petit jeu. Au nom de Zeus. Alors on me souffle que vous n'avez pas les retours. Vous n'avez pas les retours, ce n'est pas normal du tout. J'ai pas fait de fail depuis très très longtemps et je ne comprends pas pourquoi les retours vous n'avez pas. Ai-je la bonne capture paramétrée? Oui, je suis sur Space Fu. Quitter le jeu, tu vas, hein? Et relancer. C'est la pratique courante, eh oui. Eh oui, essayer de l'éteindre et de le rallumer. Non, je vais essayer tout. Je vous ai fait croire que ça avait coupé. C'est pas mal fait, hein? Oui, les trucages à pas cher, c'est aussi la grosse ressource de The Big Game of Skia. Space Fury, te voilà, t'as décidé d'arriver, c'est sympa, regarde. Donc je reviens sur ma théorie fumeuse concernant ce mot maudit Space, qui est accompagné de Sky, il faut le dire, et qui squatte tous les titres de shmup des années 80, et étrangement, vous reviendrez sur les streams publiés chronologiquement juste avant, on est en train de se faire des space trucs, des space bidules, et c'est tous des clones de Asteroids. Non, non, non. Destroy, Formud, Bayurk, oulala. Le scénar, les gars, moi je flippe là. Et donc, bah oui, on se tape des astéroïdes, parce que non content d'être voisins de salles d'arcade, ils étaient voisins de lettres, carrément, dans la liste alphabétique. Moi je retiendrai jamais tout ça. Hein. Oulala, s'il faut faire du docking, ça va être dramatique. Bon, le truc différent par rapport aux deux précédents que je vous ai enregistrés, qui eux étaient des versions pixelisées de Asteroids, bah là on a quand même un respect du vectoriel. Et aux joies, au bonheur, en 80 c'était pas courant, mais c'était en couleur. Alors, est-ce que c'est jouable? Là je. Pff, là je. Là je rêverais d'avoir un stagiaire en fait. Parce que le doute m'assaille. Ok, tu m'as pas l'air très sympathique en tout cas, toi. Oh, des tirs à un pixel, vous savez comme j'adore ça. Je dock, là, pchouf. Mais ils discutent beaucoup, je trouve. Tu sais que ta résistance est futile? Ah, purée, purée de purée de purée, j'aurais jamais dû bouger. Là. Je sais pas, moi je fais ce qu'on me dit, hein, je suis docile. Oui, bah alors, me battre contre des sapins des hauts d'horizon, franchement, c'est petit. Tu crois que j'ai pas repéré ton cirque? Je me barre, je me barre, vous êtes pas drôle. Il y a une bonne hitbox hein, sur mon vaisseau, parce que il se fait défoncer avant d'avoir touché le moindre truc. Il n'y a jamais de game over en fait. Non mais faut me le dire. J'aime pas trop les surprises. En fait, faut pas bouger du centre, tout simplement. Attends, je me mets dans le bon sens. Hein. Je suis dans l'axe, là, je suis bon. C'était limite quand même. Hein. Oui, bah tu me parles un peu comme un Ori, Katmos, quoi. Eh oui, Ori Katmos. L'avancée technologique avec ses voix synthétiques. Bonjour, j'ai bienvenue dans le manoir de Mortevielle. Les vieux qui ont eu un Ori Katmos se rappellent de ça. Oui, le manoir de Mortevielle, avec sa voix numérique absolument faramineuse, qui sentait l'intensité du jeu d'acteur et à la fois et toute la frayeur et la tension de la scène vécue.
De grands moments. Pourquoi tu m'as bloqué là-dessus? Il n'y a pas le cas. Non, ok. Ok, ah, c'est parfait. Donc voilà, nous avons fait le tour de ce merveilleux clone d'astéroïdes qui est relativement joli, qui quand même a une putain de grosse hitbox sur son vaisseau spatial. Genre, ça tu le fais plus quoi. C'est mal. Et qui ravira donc une fois de plus tous les collectionneurs de astéroïdes et compagnie. Moi, je peux continuer de vivre sans. Je vous laisse avec les streams habituels, non sans avoir vérifié qu'on avait bien fait nos 5 minutes. Et oui, ça devient dur avec les jeux pas intéressants. Oups, je l'ai dit. Et donc, la playlist globale, et puis la playlist des shmups, et vu que je suis de super bonne humeur de partir de ce jeu, et ben je vous laisse aussi une playlist surprise. À demain, 19h. Ciao.